Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'ai souhaité faire cette vidéo pour dépanner, pour aider les personnes qui pourraient avoir le même problème que j'ai eu, à savoir, je vais vous montrer à l'écran, une erreur CURL 60, problème de certificat SSL, le certificat a expiré. En fait, ça s'affiche, c'est une erreur qui s'affiche. Au moment de mettre à jour les extensions ou les choses comme ça s'affiche ici en fait et ça écrit erreur et en gros l'extension ne peut pas, le plugin ne peut pas se mettre à jour. Donc moi vous voyez ces plugins en orange ici ne voulaient pas se mettre à jour. Alors j'ai fait une petite recherche. Alors quand c'est comme ça, vous voyez, quand j'ai une erreur comme ça, ce que je fais c'est que je vais sur Google et je tape le nom de l'erreur. Et alors, j'ai atterri sur une page de WordPress, donc il y a une discussion, tout. Et puis tout en bas, il y a une personne qui dit qu'elle a utilisé un plugin qui s'appelle SSL Certificate Manager. Parce qu'effectivement, je suis allé voir dans OVH. Bon, moi, j'ai pas pu, dans OVH, sur mon espace, j'avais pas possibilité de modifier quoi que ce soit. Enfin, du moins, je voyais pas du tout quoi faire. Parce qu'il disait que ça pouvait venir des hébergeurs. Dans les discussions ici, lorsqu'on suit la discussion, ils disent que ça peut venir des hébergeurs. Par exemple, là, dans un des commentaires, Winry écrit: Salut, j'obtiens l'erreur URL 60, problème de certificat SSL. Le certificat a expiré lorsque j'essaie de mettre à jour les plugins à partir du fichier zip. J'ai contacté mon hébergeur et voici sa réponse. Voilà. Bon, bref, l'hébergeur n'avait pas de solution. Alors, donc en fait, moi ce que je vous invite tout simplement, ben c'est franchement, j'ai téléchargé cette extension. Donc elle est ici, voilà, ici je vous le mets là, SSL Certificat Manager. Vous allez dans Ajouter extension, vous la déposez, vous l'activez, et à un moment donné dans Réglages, vous mettez... Donc vous l'activez, vous allez dans les réglages, vous allez dans réglages du site et tout en bas il y a SSL Certificate et vous cochez Use Newest CURL SSL Certificate Recommend et vous mettez Submit. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir. Donc moi je vide le cache pour mettre à jour pour que tout soit bien synchronisé sur le site, les informations. Et ensuite je fais mettre à jour. Et normalement, à l'issue de ça, j'ai plus de problème. Et d'ailleurs, j'ai pu mettre à jour Astra Pro, par exemple, et ça a marché. Et regardez, Elementor Pro, ça a marché. On va faire le test sur les autres, sur Premium Starter Template. Et voilà, ça a marché aussi. Donc, on va faire pareil à WooCommerce ou Custom Product Add-ons. Et ça marche aussi. Donc, voilà. Donc, effectivement, l'extension certificat de gestionnaire certificat SSL. Alors, moi, j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive sur un site. J'avais pas eu le cas sur d'autres sites. Mais ben, comme quoi, ben, voilà, ça peut arriver. Donc, voilà. Donc, ça permet de ne pas tenir compte de certains paramètres et de favoriser la bonne mise à jour des extensions des plugins dans WordPress. Voilà. Donc, j'espère vous avoir dépanné. Dans cette vidéo qui se veut courte du coup pour le sujet. Donc voilà, écoutez, ben vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé, vous pouvez laisser des commentaires si vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide, ben vous laissez un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera vachement plaisir, ça me donnera plus de visibilité. Et surtout, en descriptif de la vidéo, je vous laisse un lien avec une formation de WordPress, 1 heure de formation WordPress offerte. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez, vous entrez votre meilleure adresse email et moi je vous enverrai une série de vidéos pendant 3, 4 ou 7 jours, je ne sais plus, j'ai oublié, avec une formation WordPress pour vous montrer comment créer votre site avec les meilleurs thèmes, les meilleurs outils, la boîte outils, et puis je vous donne mes conseils et mes astuces. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt, passez une agréable journée ou soirée, bye bye!